vas-y. Aujourd'hui, on va faire des crevettes sautées aux légumes asiatiques, là. Comme ça, ça. On peut couper. Non, ça, c'est dangereux, celui-là. Ce couteau-là, il est très dangereux. Il coupe trop, trop bien. Pour les filles. Hein? Ça, c'est pour les filles. Non, c'est pas pour les filles, c'est que pour les grands. C'est que les grands qui peuvent faire ça. Parce que ce couteau-là, il est très dangereux. Il faut être grand pour pouvoir le faire. Mais moi, j'ai déjà grandi. T'es déjà grande, t'as déjà grandi? Oui. Mais est-ce que toi, t'es un papa ou une maman? Oui. T'es déjà un papa, toi? Oui. Ah ouais, il est où ton bébé? Tout au fond. Tout au fond où? Dans sa maison. Ton bébé, il est déjà dans sa... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre de toi, Aaron? Que la couillonnise? Ça pique les yeux, l'oignon? Voilà. Aaron, t'es fou? Oui. Je viens de finir de cuire les crevettes. Je suis obligée de faire les légumes. Normalement, ça doit être croquant. Je suis obligée de faire les légumes mous comme ça pour que les enfants mangent. Surtout Aaron. Parce que c'est froid, ça ne la dérange pas de manger les légumes croquants. Mais Aaron, déjà qu'il n'aime pas trop en manger, je suis obligée de les mixer à chaque fois. Donc là, mou, il accepte. Voilà comment j'ai changé mes essuie-glaces. C'est tout clean maintenant, ça glisse très qu'il aimait. Regarde. Ouh. Ouh. Ça fait plus de bruit. Je suis forte, hein. Bon, après, c'est juste des essuie-glaces. J'avais ouvert, vous étiez là en train d'attendre. Passe. Alors, voici les courses du mois. Voilà ce que j'ai eu pour 304 euros. Voilà, on va aller chez l'opticien parce que Sephora, sa vie s'est tombée. C'est pas moi qui l'ai enlevé. On va chez Écoutez voir. C'est parti tout seul. Livraison, équipement et SAV, bonjour. On va demander en même temps, comme on est là, on va demander à ce qu'il nettoie ses verres. Parce qu'Aaron, ses verres sont tout le temps cracra. Et moi, je vais dans la nourriture. T'es arrivé, toi? Ça y est. La vie, ça a été changée. Bon. Voilà. Le frigo. C'est Sephora qui a rangé ici. Écoute, bah c'est bien pour une première fois. Hein? Oui, Sephora et Aaron, ils ont arrangé ici. Ouais. Bah, ils ont fait un beau boulot. Mademoiselle, où sont tes lunettes? Non, je vais la laisser, je ne voulais pas que je les prenne. Bon, là, je suis à Action. J'ai trouvé un absorbeur d'humidité. 5 euros. Et il y a 2 recharges dedans. Est-ce que je dois prendre encore une recharge en plus au cas où? Si le truc-là, il fonctionne bien. Voilà mes crevettes bleues. Regarde comment ils sont gros.
Elles sont énormes, mes crevettes bleues. Surtout celui-là, là. Regarde-moi ça, avec ces grosses pinces, là. Bon, je les laisse encore tremper. Je vais les nettoyer. Ensuite, je les ferai sauter. Vas-y, lance. 1, 2. Ah non, c'est tombé par terre. T'as lancé les deux en même temps? Oui. C'est où? C'est par terre là-bas. Aïe. Il faut fermer ça. Comme ça, tu peux passer. Tu vois, les deux, ils sont tombés par terre. Et Lauren? Oui. Je t'ai dit, va prendre une lingette, je vais te nettoyer le nez. Aaron? Bébé? Mon bébé? Va prendre une lingette, je vais te nettoyer ton nez. Caca boudin. Caca boudin, toi-même. Aaron? Eh? Caca boudin. Tiens. Tiens, regarde, tiens. Hein? Tiens. Caca boudin. Tiens, regarde ici. Hein? Arrête. Mais je te caresse. Tu es allongé sur moi et tu me dis arrête quand je te touche. Tiens. Va voir s'il dort, tonton Noé. T'as dit quoi là? T'as dit quoi, mon frère là? C'est ton oncle là? Caca boudin. T'as dit quoi? Caca boudin. Arrête avec tes caca boudins. Caca boudin. On voit rien que ta grosse tête derrière là. Avec ton rhume là. Va prendre une lingette. Va prendre une lingette. Va prendre une lingette. Va prendre une lingette. Non mais le gars là, je vais te chicoter, hein. Va prendre une lingette avec ton rhume là qu'on voit là. Dépêche-toi. Tu peux. Ta tête comme ton oncle. Comme moi je t'ai insulté, je l'insulte en même temps. T'as insulté. Allez, va prendre. Allez, il est chiant quand il fait. Il est chiant, quand il fait juste qu'il répéter. Répéter. Le perroquet. Le perroquet. Blablou, blablou. Blablou, blablou. Ça va, Noé? Ça va, Noé? T'as pas rigolé, t'as perdu. T'as pas rigolé, perdu. Va prendre ton truc, regarde, tu te mets du rhume partout là, regarde ta crotte de nez là, regarde. Va prendre la bagarre dans ton nez là. Alors, il était bien ton week-end? Est-ce que tu as la flemme de sortir là? Quand c'est que tu vas marcher tout ça là? T'as appelé Karine pour lui demander ou pas? T'as chaud. Hello les Frenchies, aujourd'hui, j'ai reçu une commande Timo. Alors, je suis devenue accro à Timo et excusez-moi pour le bruit de ronflement. Aaron dort sur le canapé juste à côté de moi. Je me suis pris une protection de volant. Parce que le matin, je dépose les enfants à l'école. Le temps que la voiture se réchauffe, il fait méga archi froid. Et j'ai pas envie de conduire avec les gants, donc protection de volant tout en moumoute. Ça prend la forme du volant, regarde comment c'est. C'est tout doux. Regarde, t'as vu? C'est tout doux. C'est trop top. Ensuite, ceci. Ça, c'est pour nettoyer mon aquarium. Voilà. Nettoyer, c'est pour nettoyer les parois de mon aquarium. Ça vient comme ça. C'est un long manche. Voilà, ici de l'autre côté c'est creux. Et ça nettoie les vitres de l'aquarium à l'intérieur. Toujours par ma voiture. Alors là, j'ai acheté plein de choses pour ma voiture, mais cette semaine je ne vais pas pouvoir conduire parce que mes pieds commencent à peine à dégonfler. Du coup c'est ma mère qui va s'occuper d'emmener mes enfants et de les récupérer à l'école. Donc ben voilà, du coup là, j'ai plein de choses pour ma voiture, mais je vais rester enfermée à la maison toute cette semaine. Pour laisser à mon corps le temps de bien reprendre tout. Alors ça, c'est un truc de rangement qu'on met à l'arrière du coffre. Genre ça s'accroche là.
aux assises derrière, au siège de derrière, complètement derrière. Voilà. Ça s'accroche. Et là, derrière, dedans, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. C'est assez spacieux, assez grand. Et il y a trois compartiments. Donc souvent, dans mon coffre, je mets les huiles, les liquides de refroidissement et tout blabla. Sauf que je le mets dans un panier en osier. Et quand je tourne mon volant, dès que je prends un virage ou un rond-point, j'entends mon panier en osier qui se balade dans le coffre. Donc pour éviter que ça se balade, maintenant, je vais tout le mettre, mais accroché là-dedans. Toujours pour ma voiture. J'ai pris plein de choses pour ma voiture, mais je ne vais pas pouvoir conduire ma voiture pendant une semaine. Alors, j'ai pris un gant pour nettoyer le tableau de bord. Alors, tu mets ta main là, comme ça. Ah, regarde, les deux doigts sont séparés par une séparation ici. Tu mets ton produit sur le tableau de bord ou directement sur ça et frotter, 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 frotter. Ça ne raye pas. Ça ne raye pas. Ensuite, j'ai pris ça pour nettoyer la vitre, le pare-brise intérieur de ma voiture. Oui, j'ai pris plein de choses pour ma voiture. Là. Attends, il faut mettre la chaussette d'abord. Aaron, toi, tu ronfles comme un camionneur. Hein. Voilà. On met la chaussette, comme ça. Et après, tu mets ton truc. Et ensuite, tu frottes la vitre. Je l'ai mis à l'envers, le bâton. Mais c'est pas grave. Je vais le remettre en place. Ensuite, j'ai pris une brosse comme ça, pour mon visage. Genre, tu laves ton visage. Et tu utilises la brosse pour laver, quoi. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors c'est une brosse comme ça, toute simple. D'un côté, il y a des... Et de l'autre côté, il y a des... Et tu brosses ton visage. Ça, c'est encore quelque chose pour ma voiture. C'est pour nettoyer là où il y a les chauffages. Parce que souvent, il y a des petites poussières qui se mettent de devant où il y a les chauffages, là. Et bien, tu passes un coup comme ça dedans, tu frottes, tu frottes, tu frottes, et ça fait sortir toutes les petites poussières. Un tapis comme ceci. C'est pour récupérer la saleté dans ma cuisine. Normalement, j'avais un truc dans ma cuisine pour empêcher l'eau et la saleté de rentrer. Sauf que bah, Sephora l'a cassé. Du coup, j'ai racheté un autre plus simple. Mais du coup, on ne peut plus boucher l'évier de la cuisine. Voilà. Ensuite, j'ai pris des limes comme ça. Elles sont simples, hein. J'en ai pris deux, je crois. Ouais, j'en ai pris deux pour limer mes ongles. Ensuite, les cuillères comme ça, longues manches. C'est ce que normalement je devais avoir dans le partenariat Timou, mais que la poste, ils ont, bah, ils ont pris quoi. Parce que quand le colis du partenariat est arrivé, il n'y avait pas les cuillères dedans. Mais pourtant, dans la liste, j'ai dû mettre les cuillères. Et en plus, elles sont belles les cuillères, regarde. Il y en a plusieurs. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et j'ai pris de l'eau. C'est 1 € et quelques le lot. J'ai pris un fil comme ça pour mettre dans ma voiture aussi. À mettre autour du chauffage, la radio et tout ça, pour que ça fasse genre pailleté rose comme ça à la discothèque. J'ai pris des crochets comme ça pour accrocher toutes mes louches, parce que mes louches, en attendant, je les pose dans un tiroir, mais c'est fatigant à les prendre. Du coup, je préfère les accrocher pour les avoir directement à disposition. J'ai commandé ça aussi, c'est pour décorer les chauffages de ma voiture. Ici, un bidule à trappe rêve pour ma voiture. Toujours pareil, je vais pas pouvoir conduire ma voiture pendant plusieurs jours. Je vais pas pouvoir sortir de mon appartement pendant plusieurs jours. Et du coup, voilà. Mais je me dis quand même, je vais attendre mardi. Et si mardi, tout est toujours trop gonflé, que ça dégonfle pas trop, bah j'irai
aux urgences, quoi. Mais pour l'instant, voilà un petit bidule pour décorer ma voiture. Pour clipser sur la voiture, et là, je mets directement mes lunettes. Mes lunettes de soleil, directement. Nice.